Bonjour, c'est Hubert chez Green Zebra, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un petit exercice rythmique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va accompagner un petit batteur qui va jouer un rythme, et on va accompagner le rythme avec le ukulélé. Et à un certain moment, le petit batteur, il va s'arrêter. Et quand il va s'arrêter, bah nous, on va continuer à donner le rythme, et on va essayer de tomber juste pour que quand le petit batteur reprenne, eh ben, on soit en même temps que lui et qu'on soit toujours dans le temps. C'est ça l'idée. Alors, j'ai préparé des petits fichiers audio avec le petit batteur qui joue. Ces petits fichiers, vous pouvez les télécharger également. Il y a un lien dans le descriptif de la vidéo ici qui va vous permettre de les obtenir si vous voulez les avoir par la suite. Donc, il y a 5 fichiers audio qui vont respectivement de 60 battements par minute à 80, 100, 120 et 140 battements par minute, qui est le plus rapide, 60 le plus lent. Pour faire l'exercice, on va commencer par le plus rapide. Ça paraît contre-intuitif parce qu'en général, quand on apprend des accords et quand on apprend des chansons, on dit toujours commencer lentement et puis aller de plus en plus vite. Ici, quand on développe son sens du rythme, c'est plus simple de commencer rapidement et puis de ralentir. Pourquoi? Parce que c'est plus difficile de tenir le rythme quand le rythme est lent que quand il est rapide. Voilà. Quand il est rapide, ça va, ça fond, ça y est, pas de souci. Mais quand c'est lent, par contre, c'est plus dur sur la durée en tout cas, de maintenir le temps. Donc, voilà, ce que je vous propose, bah, c'est je vais lancer le premier petit fichier audio et on va découvrir ça ensemble. Alors, ça commence par un décompte qui va faire 1, 2, 3, 4. Et donc, le 1, 2, 3, 4, ça donne d'une part bah, la vitesse à laquelle on va jouer, et ça donne aussi le moment où on commence, puis ça fait 1, 2, 3, 4, puis pouf. Moi, je vais jouer des accords tout simples. Je vais jouer Do, Sol, 7, Fa. C'est pas vraiment une chanson en particulier. Le strumming aussi sera très simple. Je vais juste marquer le temps en faisant. Par la suite, si vous faites des strumming un petit peu plus élaborés, bah vous pouvez faire ce même exercice, toujours avec ces mêmes strumming, et ça vous permet aussi de développer votre sens du rythme dans ce sens-là. Voilà. Alors on est parti à 140. C'est pas mal. Ok. Alors attention, ici il va s'arrêter. Voilà. Alors, il va y avoir 4 breaks dans chaque piste audio. En fait, la structure est chaque fois la même. Il va y avoir d'abord un break de une mesure. Et puis après, voilà. Donc, une mesure, c'est. Et puis, plus loin, il va y avoir un break de deux mesures. Et puis, un break de trois mesures. Et puis, un break de quatre mesures. Alors, l'objectif ici n'est pas de développer une rythmique parfaite. Vous allez voir que quand vous allez au bout, c'est-à-dire quand vous essayez de le faire à 60 battements par minute et qu'il y a un break de 4 mesures, c'est vraiment long, faut vraiment y aller, même pour moi c'est pas évident de vraiment arriver sur le temps. Le but n'est pas de développer une rythmique parfaite. La rythmique parfaite, il y a très peu de gens dans le monde qui l'ont, ça doit pas être un objectif en soi. Le but ici est de vous sentir à l'aise et de tenir la cadence sur une chanson. Le but est vraiment que vous puissiez développer cet automatisme avec votre main et que même voilà, quand vous n'avez personne derrière, que vous puissiez continuer à maintenir cette cadence. C'est vraiment ça l'objectif. Toujours pour être plus à l'aise, pour prendre plus de plaisir et pour faire de plus chouettes choses. Alors, bah cette fois-ci, on va le faire pour du vrai. Donc, je commence à 140. Attention, c'est parti. Voilà, donc vous voyez, quand on arrive un petit peu plus loin dans le morceau, quand il y a trois mesures, quatre mesures,
Voilà, c'est un petit peu plus. Voilà. Ça fait partie de l'exercice, il faut s'entraîner et au fur et à mesure qu'on le fait, ça devient de plus en plus simple. Donc ça, c'était à 140, donc c'est celui qui va le plus vite. Je ne vais pas vous les faire tous les 5, mais je vais quand même vous montrer un deuxième. Je vais vous montrer celui à 80. 2. C'était proche, c'était proche. C'était pas tout à fait ça, mais c'était quand même vachement proche. Donc vous comprenez un petit peu l'idée, hein, donc n'hésitez pas voilà, à vous entraîner à plusieurs vitesses et surtout, bon, chaque fichier audio, il y a chaque fois la brique de une mesure, et puis deux mesures, et puis trois mesures, et puis quatre mesures. Bah, entraînez-vous plusieurs fois à faire à une mesure, et une fois que vous êtes vraiment à l'aise, allez plus loin. Évidemment, quand il y a le long break de quatre mesures, c'est un peu chaud de vraiment tomber juste. Mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en ukulélon qu'on devient ukulélon ou quelque chose comme ça. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce petit exercice vous aidera, j'espère que ça vous permettra de vous amuser. Moi, je trouve ça toujours sympa de jouer plutôt qu'un métronome qui fait clic, clic, clic. Je trouve ça sympa d'être accompagné par un petit batteur, même si c'est un petit batteur virtuel. Et utilisez ça aussi pour justement, vous avez vu dans le deuxième exemple, pour développer vos strumming. Donc, au lieu de faire un. Bah, profitez-en pour essayer de faire des variations. C'est l'occasion voilà, de s'amuser un petit peu et de développer tout ça. Si vous n'avez pas encore téléchargé mon guide 5 trucs pour progresser en musique, même quand on n'a pas le temps, bah, je vous invite vraiment à le faire. C'est un super petit guide hyper pratique qui vous permet justement, si vous n'avez pas le temps, si vous avez voilà, le boulot, les enfants, la vie et l'univers qui se mettent dans le chemin, bah, ça va vous permettre de reprendre un tout petit peu de temps, de bien mettre ce temps à profit et de retrouver surtout de la motivation et de l'inertie, hein, parce que c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Il faut, c'est l'effet boule de neige, comme on dit, hein, donc il faut s'y mettre un petit peu. Et puis le fait de se sentir progresser, bah, c'est ça qui fait que à ce moment-là, on arrive tout d'un coup, comme par magie, à retrouver du temps en plus et à remettre ça dans nos priorités. Donc c'est une bonne petite lecture, 5 trucs pour progresser en musique, même quand on n'a pas le temps. Je mets également le lien dans la description ici en dessous. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous, parce que ça me fait plaisir. Et puis comme ça, vous voyez quand j'ai des nouvelles vidéos qui arrivent. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Au revoir.